Yo tout le monde, c'est Gaming Genesis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième et dernière partie de mon tutoriel à construire un avion sur Minecraft. Et donc cette cinquième partie est la moins importante entre guillemets, je vais juste vous présenter la décoration que moi je propose pour cet avion. Donc comme l'a dit la dernière partie, j'ai fait déjà les vitres sur les côtés, donc la couleur que vous voulez, ce n'est pas important. Voilà. Et donc on va tout de suite commencer par la cabine de la cabine là-bas. Donc déjà pour commencer, pour se repérer, on va déjà mettre les deux sièges qui sont là. Excusez-moi du petit bug, hein, mon ordinateur fait des petits chargements, pas très sympa. Et hop, je me suis trompé, c'est en arrière, un truc en arrière. Voilà. Voilà, ensuite en face on prend du bois. Hop. Ici, voilà. Et on rajoute des leviers pour faire des commandes quoi. Hop, et voilà. Au milieu, je pourrais rajouter, je sais pas. La vache, la vache. Ok. Donc ici on va rétrécir un petit peu le. On va reprendre donc les blocs de fer qui sont là pour refermer un petit peu l'endroit justement, comme ça. Voilà. Ouais, c'est suffisant. Voilà. Et sur les contours, j'aime bien mettre soit des coffres. Hop, coffre. Voilà. Soit. Un établi. Donc, je crois que ça s'écrit établi là-dedans. Oui, c'est génial, c'est très français. C'est très franc. Voilà. Donc soit ça, soit un coffre. Je pense que le coffre rendrait mieux. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va mettre des torches de redstone pour faire un peu plus beau. Et des torches normales, on va en prendre aussi pour les contours. On peut en mettre une là. Moi, je mets une torche là, une torche là. Là, hop, et hop, et ici autour j'en mets 3 comme ça. Voilà, ça fait joli, c'est beau, c'est magnifique, nickel. C'est une décoration assez rapide hein, mais bon c'est vachement sympa. Voilà, bon alors maintenant qu'on en est là, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, voilà. On va passer à cet endroit là, donc c'est un petit peu plus le plus énervant, donc on va mettre les sièges tout simplement. Donc on va laisser les deux premières fenêtres tranquilles, celle-ci pardon, la première, voilà. Et tout le long, une fenêtre, enfin un bloc sur deux, où on peut peut-être en mettre plus, c'est peut-être mieux. Et de la place du coup, on pourrait faire des tables ou quoi que ce soit comme ça. Petit muret. Ça, je vais improviser un petit peu pour la décoration parce que j'ai envie de changer un peu. C'est vrai que sur mon avion classique, en fait, je n'ai pas beaucoup de décoration. Hop, voilà, donc on pourrait séparer les sièges de deux blocs. On va essayer. Hein. Voilà. Ah, ici, ça fait trois blocs. Et à chaque fois, il y a des vitres qui vont être couvertes. Ouais, bon, on va faire autrement. On va faire comme ça quand même. Donc, on va laisser deux blocs entre chaque siège. Ça, on va pouvoir mettre des tables ou quoi que ce soit. On va essayer de mettre des trucs. Donc on fait ça de chaque côté. Oui, donc je tiens à m'excuser, hein, c'est vrai que je les mettais une fois par jour. Le problème c'est que là ces deux dernières semaines j'ai eu 2-3 petits problèmes techniques et ainsi que 2-3 petites occupations très intéressantes. Pendant cette dernière semaine. Le stage, etc. Donc du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour filmer. Bon, maintenant, voilà. C'est bientôt fini, donc pas de soucis. Voilà. Et là, je me suis trompé. Donc on va les ramasser d'un côté. D'un bloc. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ce genre de choses-là. On pourrait faire. Hop. Là, derrière, on va mettre
un bloc à chaque fois. Essayez de pas prendre trop de temps pour la décoration. Je pourrais faire des coupes, mais bon. C'est vrai que c'est de la décoration, quoi. Autant voir ce qu'on fait au... de A à Z, quoi. C'est mieux. Voilà. Bref, bon, vous m'aurez compris, hein, je vais me dépêcher quand même, ce serait bien. Parce que ça prend du temps, c'est chiant. Excusez-moi de mon langage très familier. Ah! Mon dieu! Hop, hop, là on va y arriver. Hop! Et voilà. Donc ici du coup on pourrait mettre en face de... Bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? On est assis sur un siège, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? Alors... On va essayer un truc. On va essayer un truc. Plutôt tableau. On va essayer, on teste. Oh, oh, oh mon dieu. Ça fait moche, très moche. Non, ça fait moche, c'est horrible. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme décoration? Parce que j'improvise, hein, j'essaye. Si on fait un petit truc comme ça, ouais, mais ça va couvrir 2-3. C'est nul. Non, bah en face, on peut mettre. On va mettre des trappes. Des belles trappes. Genre, pas des plaques, pardon. Des plaques de pression. En or. Pourquoi pas. C'est comment? Bien. Voilà, donc, on va mettre ça sur chaque. Ça fait comme des espèces de. Je sais pas, des mini tables ou. Ou de la décoration comme vous voulez hein. Vous pouvez... voilà, moi j'exprime juste des idées hein. Je suis pas le meilleur décorateur du monde, loin de là, j'ai un niveau assez bas, mais pour l'avion c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de décoration à part 3 sièges et des torches que je vais mettre juste après pour mettre un peu de lumière, parce que sinon c'est le repère des monstres là dedans. Les mobs spawn et quand c'est des grippers et qu'on va dans l'avion, c'est très pratique parce qu'après il y a un trou. Ah oui. Si on ne tue pas avant. Voilà. Surtout si on joue en mode survie et qu'on peut voler. Hop, voilà. Donc on va mettre des torches. À chaque fois, on va la mettre. C'est un peu compliqué. On va les mettre une par une au-dessus des fenêtres. Toi, tu reviens là. Hop, voilà, merci. Une par une au-dessus des fenêtres. Voilà. Et au-dessus, ensuite, ce qu'on peut faire au-dessus, c'est faire un espèce de... au-dessus de chaque siège. C'est mettre... je vais vous le faire. Je vais faire une petite coupe, hein, exprès, justement. Après, on va passer à la bagagerie. Enfin, qui sera vite fait aussi. On pourrait mettre... une sorte de choses comme ça. Alors attendez, on va se mettre sur ce siège là, voilà, au dessus comme ceci, voilà. Puis un levier pour rappeler les agents de l'avion au cas où il y a un problème ou quoi que ce soit. Et du coup on peut pas en mettre un là, bien sûr. Bah oui, c'est mort. Voilà, c'est pas grave, cette torche là on ne mettra pas et puis c'est tout. Voilà, donc on fait ça à chaque niveau. Ou on fait pas ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez changer le matériau comme vous voulez. Voilà. Donc je finis tout ça, je remets des torches et tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. À de suite. Donc nous revoilà après avoir fini de placer les leviers et les torches de chaque côté. Donc ça nous fait un truc assez sympathique. Ça fait une sorte de long couloir. C'est magnifique, c'est beau. C'est bien. Voilà. Donc on va passer à la bagagerie tout de suite. Ça va être très simple. Hein. Donc bah des coffres. Voilà, on va pas chercher loin. Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Pas celui-là d'en haut. Voilà. On va plutôt faire un truc plus joli. Hop, 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 hop. Voilà. Ici pareil. Voilà. Pour chaque passager, bon, bien sûr, il y aura peut-être pas assez de coffres, mais bon, c'est pas grave. Voilà, avec des torches au milieu. Hop.
Et on peut essayer un truc assez original. Pierre lumineuse. Voilà, on va la mettre. On va en mettre au-dessus. Une au-dessus. Voilà, comme ça. On peut faire une espèce de petit arc qui montre. Comme ça. Voilà. On referme avec de la laine blanche ou bleue. Avec une porte au milieu. On va prendre une porte en fer. Non. En bois de sapin. C'est beau. Non, ça fait plutôt coffre. Non, bah on va prendre celle-là. Elle est belle. Voilà. Donc voilà, ça vous fait votre petite coffrerie, votre magasin. Et donc voilà, donc bah ce tutoriel est... Et maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. que les vidéos n'ont pas été trop longues ou quoi que ce soit. Si vous avez aimé la décoration et puis la construction, tout ce que bah, vous aurez pu aimer, n'hésitez pas à le dire dans les vidéos, dans les commentaires, pardon, j'arrive plus à parler. Si quelque chose vous a choqué, à part la tête de l'avion qui est un peu spéciale, c'est vrai, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez eu des problèmes dans des manipulations, n'hésitez pas à le dire non plus. J'essaierai de vous aider. Voilà, donc... Et donc je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!